Quoi? Allez, fais vite! J'ai trop hâte de le voir! Vous tombez à pic pour admirer mon nouveau cheval, Star 4 du Vieux Moulin, 1m86 au garrot. 1m86? C'est pas un cheval, c'est un mammouth! Et Bonbon, qu'est-ce que tu vas en faire? Mon père va le revendre au club de la plage. C'est de là que vient Joséphine. C'est un centre de vacances où les chevaux baladent des touristes 12 heures par jour. Bonbon ne supportera pas. Si t'es pas contente, t'as qu'à l'acheter. Bonbon t'a tout donné. Tu ne peux pas le jeter comme une vieille chaussette. J'ai besoin d'un cheval de bon niveau, pas d'un gros nul. Ah ouais? T'es sûre que c'est le cheval le problème? Je te parie qu'à la prochaine compète, je te bats encore. Même avec ton Star 4. Tu crois ça? Justement, je suis inscrite au prochain cross amateur élite. Fais-moi plaisir, inscris-toi aussi. D'accord. Si je te bats, tu gardes Bonbon. Et si c'est moi qui gagne, tu seras ma groom pour toute la saison des concours. Léna, c'est pas une bonne idée, là. Ok, pari tenu. Groom? C'est quoi? Je t'expliquerai. En attendant, on garde Bonbon. Ça fait partie du pari. Pour être sûr que tu ne le files pas au club de la plage. Aucun problème. Si jamais tu perds, bonjour la galère. Quelle galère? Quelqu'un va m'expliquer? Le groom, c'est celui qui s'occupe d'un cheval de compétition. Pour faire court, si Léna perd, elle sera le larbin de Samantha pendant tous les concours de l'été.